Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le centre olympique depuis septembre, mon quotidien a quand même pas mal changé. Même si avant j'étais à Bourges et c'était un peu le même principe. On va dire que j'ai évolué et ça me fait très plaisir. Le but de la vidéo, ça a changé des vlogs qu'on a pu faire avec Adrien et avec Alexandre. Là, ça va être une journée avec moi de ce que je fais de mon quotidien. C'est-à-dire aujourd'hui par exemple, j'ai pas école, du coup je pourrais m'entraîner deux fois plus. C'est-à-dire muscu et vélo cet après-midi. Donc ça va être plutôt cool. Je vous emmène avec vous, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous aimeriez voir avec Pierre, avec Léo, avec Enzo, avec Matteo, enfin dites-moi tout ça. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, ça fait toujours plaisir. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo et bienvenue dans mon monde. Du coup là, premier training de la journée, on se dirige en muscu, je vous montrerai la salle. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde parce qu'en vrai, c'est pas non plus la plus grosse salle au monde comme un basique ou quoi que ce soit. Mais vraiment, elle fait grave le taf. En plus, moi je la trouve incroyable avec les drapeaux France et tout, bien sûr vous allez le voir. Et voilà, allez on se retrouve là-bas. Et je filme. Je filme une journée à 50 ans d'Yvelines. Bon, ok. Un truc à dire, Léo? Qu'est-ce qu'on va faire là? Quoi? Des full lap. Il est très exactement 17h54. On va s'habiller. Et on part à voisin. Eh, hey, mais d'ailleurs, tu veux. Bah, vas-y, suis-moi. Attends, moi je vais chercher ma machine, faut que j'aille prendre une paire de chaussettes. Bon, allez. Bon, bah, les gens se retrouvent. J'ai fini la gym, je suis allé manger. Parce que je vais pas vous tout montrer de ce que je fais de la séance. Et là, je suis en train de changer de plateau sur mon vélo. Je dirais pas du tout ce que je vais mettre parce que, bah voilà. J'en connais, genre Chris, qui vont dire hey, t'as mis combien? T'as combien de dimensions et tout? Je m'en fous. Je m'en fous. Donc, ne me pose pas la question. Et là, on va se préparer. Je prépare le vélo, je nettoie un petit peu pour ce soir. Ce soir, on va rouler à voisin et pas à Sky. Donc, ça va être gaulerie. Voilà. Et bien sûr, je suis en plus 1. Petit indice comme ça, vous pouvez trouver votre le braquet plutôt. Et du coup, bonne chance. Et j'espère que ce soir, je pourrai filmer avec le. Du coup, voilà. Et on se retrouve tout à l'heure. Oh, du coup, c'était un snooze au début. J'ai dit ouais, c'est quoi? Hello, my name is Lionel. Oh, ça c'est bien ça. Je fais quoi là? Bah là, tu fais de la merde, comme d'hab.
Allez, c'est parti, full lap. Tiens, Siméo. Bon, parle moi. Vas-y. Ciao, Siméo. Ah, ok, super, merci, Siméo. Oh, je suis un goat. Bon, allez, go. Oui. Allez. C'est un gamer. Je me refuse pas un petit camion enroulé là. Mentalement très froid. Et toi, Axel? Ça a été ça va, y a le et top pic. Bah, contrairement à ce que dit Léo, je trouve que c'est un peu une tapette. C'était pas si dur que ça, hein. Juste un peu d'eau. Moi, je suis pas en dessous. Personnellement, voilà, nous on a fait 3 séries avec Axel. On est les seuls à avoir fait 3 séries. C'est pour ça que c'était un peu plus dur, tu vois. Le mec, ah, c'est sûr, je t'ai battu au dernier tour. On mettra dans la vidéo, mais t'inquiète. Moi aussi, je l'ai battu, et c'est vrai que 3 gates en plus, c'est compliqué. Moi, je pense plutôt futur, lui il pense présent, on n'a pas la même vision, c'est dommage, mais bon. C'est une petite bite. Ah ouais? Bah vas-y, viens là, mon gars, tu verras qu'elle n'est pas si petite. Hein. Je suis là. T'as raison, elle est minuscule. Ah. T'as un mot à ajouter, Axel? Bagarre. Un peu comme à l'entraînement avec Max et. Vas-y, fais une transition vite fait là. Et Matelai. Max et Matelai. Ils sont tous. Non, mais vas-y, ça sert à. Ah, ça. Non, on s'est pas frité. Hein. Non, c'est pas frité. T'as découpé dans la butte, mais ça, c'est. Ça, c'est le hot chat. Il t'a découpé et t'a pris pour sa petite salope. C'est le mot. C'est vrai que j'étais un peu la salope. Avec ta tête. Allez, transition. T'es prêt?